Pain, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. https://fr.wikipedia.org. Vous écoutez cet article dans la version du 17 mai 2021. L'article comprend les sections suivantes. Morphologie, cycle de vie, écophysiologie, écologie, biogéographie et évolution. Utilisation, intérêt économique. Aspect culturel. Systématique. Annexe. Pin est la désignation générique des conifères appartenant au genre Pinus de la famille des Pinacées. À Haïti, ils sont appelés bois chandelle ou bois pin. Ce sont des résineux à feuilles en aiguille groupées en faisceaux par 2, 3 ou 5. Et dont les fructifications sont des cônes constitués d'écailles à l'aisselle desquelles on trouve les graines. Ce genre est de loin le plus important des conifères. Au moins 111 espèces ont été décrites, parmi lesquelles beaucoup sont des essences forestières importantes. Plusieurs espèces introduites hors de leur habitat naturel sont localement devenues envahissantes. D'autres espèces de conifères sont appelées improprement pins, alors qu'elles ne font pas partie du genre Pinus. C'est le cas du pin d'Oregon, plus souvent appelé sapin de Douglas en Europe, qui n'est en fait ni un pin ni un sapin, mais un membre du genre Pseudotsuga. Un autre exemple en est le Volemia nobilis, une espèce d'Auracariaceae, qui est également appelée improprement pin de Volemia. Une image de la peinture d'Alois Kering, Pine Trees in a Rocky Landscape, illustre cette introduction. Première section, morphologie. Première sous-section, stature. En général, les pins sont des arbres de grande taille à croissance monopidéale, comme la plupart des autres conifères. Seules quelques espèces manquent de dominance apicale, comme Pinus sabiniana en Californie. D'autres peuvent également être trouvées sous forme de buissons quand ils vivent dans des environnements difficiles. Quatre espèces, toutes originaires de Californie ou du nord-ouest des États-Unis, peuvent atteindre 60 mètres de haut, et l'une d'elles, Pinus lambertiana, peut aller jusqu'à 75 mètres. Quelques espèces, cependant, n'atteignent que des tailles modestes, en raison des conditions extrêmes où ils vivent. On note en particulier le groupe des pins à pignons, sous-genre Strobus, section Paria, sous-section Sembroides, ainsi que les arbres vivants proches de la limite des arbres. Ces derniers peuvent cependant atteindre une hauteur normale si on les plante dans des meilleures conditions. De manière générale, l'allure générale des pins est hautement variable. Non seulement les espèces sont différentes les unes des autres, mais en plus les divergences entre individus d'une même espèce peuvent être importantes. La plasticité morphologique des pins est plus importante que celle d'autres genres de la famille des Pinacées. Première section, deuxième sous-section, longévité. Un grand nombre d'espèces des pins peuvent vivre très longtemps. Une douzaine d'espèces peuvent atteindre 1000 ans, en particulier Pinus aristata et Pinus longaeva peuvent vivre jusqu'à 5000 ans, et on soupçonne Pinus balfouriana de pouvoir en faire autant. Le grand âge que peuvent atteindre ces arbres en ont fait un objet d'étude de choix pour la dendrochronologie. Ce furent d'ailleurs les premiers arbres à être utilisés par Andrew Douglas pour comprendre le climat des derniers millénaires. Première section, troisième sous-section, branches et feuilles. Une image de branches et cônes de pin illustre cette sous-section. Les pins, comme beaucoup d'autres conifères, ont des feuilles en forme d'aiguilles, plus ou moins piquantes, souvent d'un vert foncé et qui sont persistantes. Appelées aiguillons, leur durée de vie varie selon les espèces, généralement de 3 à 7, 8, 10 ou 14 ans, voire plusieurs décennies selon les sens et les conditions écologiques. Les pins sont caractérisés par un extrême dimorphisme de leurs rameaux, ce qui les distingue des autres genres de la famille des Pinacées. Un premier type de rameaux longs, appelé oxyblas, ne porte que des feuilles stériles en forme d'écailles, qu'on appelle des œophiles. Le terme désuet d'œophile signifie littéralement « vraies feuilles ». Ces véritables feuilles brunâtres, apprimées contre les jeunes rameaux, qu'elles masquent pratiquement et totalement incapables d'assurer la photosynthèse. Ces branches permettent à l'arbre de s'étendre horizontalement. Le deuxième type de rameau est de taille très réduite. Ce rameau main, ou brachyplaste,
ne croît pas au-delà de quelques centimètres. On trouve à leur extrémité un unique groupe d'aiguilles, qu'on appelle un fascicule d'aiguilles. Ces fausses feuilles, ou pseudophylles, qui réalisent la fonction de la photosynthèse, ne sont que les prolongements chlorophylliens sous-tendus par des cataphylles plus minces que ceux des branches stériles. Mais celles-ci fusionnent pendant la croissance des aiguilles pour former une gaine. Cette gaine peut être caduque ou bien persistante selon l'espèce. Le nombre d'aiguilles par fascicule varie selon l'espèce. Les pseudophylles sont groupés par deux, pin sylvestre, pin maritime, trois ou cinq, pin blanc d'Amérique, rarement par un, quatre ou huit. Ils varient parfois au sein de l'espèce, notamment pour Pinus ponderosa, Pinus echinata et quelques pins mexicains. Dans la grande majorité des cas, il fait partie des premiers termes de la suite de Fibonacci, le plus souvent 2, 3 ou 5, rarement une chez Pinus monophylla, ou 8 chez Pinus duragensis, qui en a toutefois plus souvent 5. Rarement, on les trouve par groupe de 4. Les jeunes pousses de nombre de pins, à l'exception des plus toxiques comme le pin ponderosa, le pin tordu ou le pin de Monterey, sont consommés crus, ajoutés aux salades ou à divers plats comme les desserts. Les jeunes feuillages vert clair à l'extrémité des rameaux a un goût acidulé d'agrumes dû à une huile essentielle renfermant du limonène, comme l'essence de citron, qui pourrait constituer un système de défense des arbres contre les herbivores, effet répulsif ou toxique de ces monoterpènes contre les larves et les insectes, action fongistatique sur leur microbiote intestinal, réduction de l'oviposition, attraction de parasitoïdes ou de prédateurs de ces insectes. Le feuillage adulte est constitué d'aiguilles trop coriaces pour être mangé, mais elles sont parfois utilisées pour leur préparation de sirop, d'infusion, tisane, thé doué de vertus expectorantes ou diaphorétiques, ou aromatisées des vins. Première section, quatrième sous-section, racines. Le système racinaire des pins est de type pivotant. La longue racine principale permet à l'arbre de s'ancrer dans le sol et aux racines latérales d'aller chercher de l'eau en profondeur. Il se développe rapidement après la germination et fait rapidement trois fois la taille de l'appareil végétatif qui est à l'air libre. Cependant, il ne fait plus qu'un dixième du poids de l'arbre adulte. Comme chez d'autres groupes d'arbres, il existe une symbiose au niveau des racines entre les pins et les champignons qu'on appelle mycorhize. Le mycélium de ces champignons s'infiltre à l'intérieur des racines et établit une connexion entre le flux d'eau, et donc de nutriments, qui traverse le champignon et celui qui va des racines de l'arbre jusqu'à sa canopée. Cela permet au pin d'étendre la zone qu'il peut puiser de l'eau et des nutriments. En échange, le champignon reçoit des produits de la photosynthèse venant des feuilles, photosynthèse qu'il ne peut pas faire lui-même. Les champignons partenaires sont des basidiomycètes, c'est-à-dire des champignons à chapeau, par exemple du genre Boletus, qu'on observe souvent simultanément autour de l'arbre. Cette symbiose permet au pin de grandir sur des sols pauvres en nutriments où beaucoup d'autres espèces ne survivraient pas. Première section, cinquième sous-section, organes sexuels. Une image d'un cône femelle de Pinus ponderosa illustre cette sous-section. Les pins sont des gymnospermes, ce qui signifie qu'ils n'ont au sens strict ni fleurs ni fruits, au contraire des angiospermes, comme le pommier ou le chêne. La différence fondamentale entre les fleurs véritables et des derniers et les fausses fleurs des gymnospermes est la présence chez les premières d'une enveloppe, la carpelle, autour des ovules, qui se transforme après la fécondation en fruits. Les structures reproductrices des gymnospermes se trouvent à la surface des feuilles modifiées ressemblant à des écailles, qu'on appelle sporophylles. Chez le pin, celles-ci se rassemblent pour former un strobile que l'on appelle cône, une fois arrivé à maturité. Ces cônes sont appelés dans le langage courant pommes de pin ou pignes dans les régions occitanes. Les cônes sont soit mâles, soit femelles, mais un même individu porte toujours des cônes des deux sexes. Les pins sont donc monoïques. Les strobiles mâles sont situés à la base des nouveaux rameaux. Ils peuvent être situés soit uniquement en dessous d'eux, soit de part et d'autre. En général, il y a peu de différence entre les cônes mâles des différentes espèces. Ils sont constitués de petites écailles, les microsporophylles, assemblées en cônes qui ressemblent à des chatons, ce qui signifie
qui sont plutôt longiformes et souples. Chaque microsporophylle porte sur sa face inférieure les organes sexuels mâles qui sont constitués de deux sacs de pollen appelés microsporanges. Chaque grain de pollen a deux sacs d'air qui lui permettent de bien flotter dans l'air et de se disperser sur des grandes distances. Ces grains de pollen se ressemblent beaucoup entre eux, quelle que soit l'espèce, et même ressemblent beaucoup à ceux d'autres groupes de la famille des Pinaceae, ce qui prend en compte l'utilisation de la palynologie pour comprendre la répartition antérieure des pins. Les strobiles femelles sont situées à l'extrémité de nouveaux rameaux, de part et d'autre de son bourgeon terminal. Dans certains cas, ils forment une verticille autour de celui-ci. On les trouve la plupart du temps sur les branches les plus hautes. Ils pointent tout d'abord vers le haut, puis se courbent ou bien deviennent tombants. Contrairement aux microsporophylles, les écailles du cône femelle, macrosporophylles, sont sous-tendues par des bractées. Celles-ci sont au départ plus grandes que les macrosporophylles, mais la relation s'inverse au cours de la maturation et elles ne sont presque plus visibles sur le cône mûr. La forme et la taille du cône femelle varient énormément entre les espèces. De manière générale, les espèces qui vivent dans des conditions difficiles ont des cônes plus petits. À peu près le tiers des espèces des pins ont des cônes de moins de 5 cm de long. Certains sont cependant imposants. Le record de taille est de 50 cm de longueur pour Pinus lambertiana et celui de poing est de 2,3 kg pour Pinus coulteri. Deuxième section, cycle de vie, reproduction. Une image d'une graine de Pinus sylvestris munie d'une ailette illustre cette section. Les écailles des cônes fécondés s'écartent à maturité, libérant les graines. Celles-ci sont munies d'une aile plus ou moins allongée. Les embryons possèdent 4 à 24 cotylédons, nom donné aux feuilles embryonnaires. Les premières feuilles apparaissent en dessous et sont suivies par des aiguilles secondaires. Certaines espèces, dont le pin gris ou le pin tordu latifolié, produisent des cônes qui ne libèrent leurs graines qu'après avoir été soumis à une chaleur intense, comme celle d'un feu de forêt. Troisième section, écophysiologie. Lumière. Tout comme la majorité des plantes, les pins sont des organismes photoautotrophes, ce qui signifie qu'ils sont capables d'utiliser la lumière du soleil et le dioxyde de carbone pour synthétiser leurs molécules organiques par un processus appelé la photosynthèse. Les différentes espèces de plantes ne sont pas égales dans leur capacité à la réaliser. De manière générale, les arbres à feuilles persistantes assimilent moins de carbone par unité de temps et de surface foliaire ou de masse, et les pins ne font pas exception à la règle. Au sein du genre Pinus, les vitesses maximales varient entre espèces et entre individus. D'une même espèce, cette dernière composante semblant plus importante. Si une plante reçoit trop peu de lumière, elle n'est plus capable de faire fonctionner son métabolisme correctement et est susceptible de s'affaiblir et de mourir. Par comparaison avec d'autres conifères, les pins gèrent assez mal ce manque de lumière. Il leur faut par exemple deux fois plus de lumière que les sapins pour que les molécules organiques synthétisées par la photosynthèse compensent celles consommées par la respiration. Il leur faut également plus de lumière pour arriver à leur vitesse maximale de photosynthèse. Cela explique le fait que les pins sont globalement des essences intolérantes à l'ombrage. Quatrième section, écologie. Première sous-section, habitat. Les pins sont des essences sociales de pleine lumière qui supportent bien la sécheresse et les sols pauvres et pour plusieurs espèces les embruns salés. Ils peuvent former des peuplements importants comme des écosystèmes pinifères, mais craignent la concurrence des autres essences quand ils sont plantés hors de leur optimum en termes de stationnel. Quatrième section, deuxième sous-section, pathologie. Des pins sont victimes de la pollution de l'air et de plusieurs maladies émergentes, dont l'une est causée par un nématode dont l'air s'étend depuis plusieurs décennies, le nématode du pin, Bursa felenensis xylophilus. Quatrième section, troisième sous-section, ennemi. Les papillons de nuit, hétérocères, suivants, classés par famille, se nourrissent de pin. Métrocampe verte, Gemmeotridae, Bombyx du pin, Lunigère, Lasiocampidae, Lanone, Limantriidae, Méticuleuse, Processionnaire du pin, Noctuidae, Isabelle,
Saturnidae, Sphinx du pin, Sphingidae. Cinquième section, biogéographie et évolution. Première sous-section, histoire évolutive. On a retrouvé un grand nombre de fossiles de pins permettant de formuler des hypothèses sur leur histoire évolutive. On retrouve des fossiles ressemblant à des pins à partir du Trias. On les trouve tout d'abord majoritairement en Sibérie, puis à partir du Jurassique, en Europe de l'Est et, quoique moins souvent, jusqu'en France. Des chercheurs pensent qu'il ne s'agit pas de vrais pins, mais seulement de leurs ancêtres. Le premier fossile identifié comme faisant sans ambiguïté partie du genre Pinus a été trouvé en Belgique et date du début du Crétacé. Les fossiles de cette époque se trouvent à des latitudes plus basses que les premiers. Sa zone d'expansion devait à l'origine se trouver à cheval sur l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord, lorsque ces deux régions se trouvaient encore sur le même continent. Alors que le Crétacé voit l'avènement des angiospermes, de nombreux gymnospermes s'éteignent et sont supplantés dans les régions tropicales, les survivants possédant probablement l'aptitude physiologique requise pour s'adapter à des habitats xérophytes. Les pins constituent ainsi les populations principales des forêts sempervivantes boréales et subalpines grâce à leurs adaptations à la sécheresse et au froid, en particulier leurs feuilles, fines, à cuticules épaisses et stomates, enfoncées dans des puits ou des sillons, et de forme aciculaire, nommée aiguille pour cette raison. Leur endurcissement hivernal, fermeture des stomates, épaississement des tissus, et la permanence du feuillage qui permet au printemps une assimilation rapide sans attendre le développement de nouvelles aiguilles préjudiciables pour une saison végétative courte. Cinquième section, deuxième sous-section, distribution naturelle actuelle. Une carte de la répartition des espèces du genre Pinus illustre cette sous-section. La répartition géographique de ce genre est très vaste. On les trouve dans des régions assez variées, mais surtout dans les zones à climat tempéré froid de l'hémisphère boréal, où ils occupent tous les étages de végétation de la taïga, du niveau de la mer, jusqu'à la limite supérieure des forêts, même en terrain en permanence gelé. La plupart des forêts boréales ne sont dominées que par quelques espèces de conifères, l'épicéa principalement, Picea abies ou épicéa commun, sur les sols les plus humides, et les pins, Pinus sylvestris ou pins sylvestres, sur les terrains plus secs. Selon le principe de l'allocation des ressources, qui reflète l'existence de compromis évolutifs entre différents traits biologiques, la longévité des ligneux est inversement corrélée avec leur taux de croissance. Chez les pins, elle est corrélée à la résistance du bois à la pourriture fongique. Les espèces pionnières qui colonisent des niches favorables peuvent investir dans une croissance rapide, mais lorsqu'elles atteignent leur taille maximum et que leur croissance est ralentie, elles sont attaquées par cette pourriture. Si elles colonisent des sites moins favorables, froid, sécheresse, etc., l'activité fongique plus limitée leur permet une croissance lente et une grande longévité. Sixième section, utilisation, intérêt économique. Première sous-section, bois d'œuvre et pâte à papier. Le pin est un bois d'œuvre apprécié pour divers usages industriels, pâte à papier comme bois d'œuvre pour l'ameublement, les parquets et lambris, bois de mine et poteaux télégraphiques, meubles, etc., parce qu'il a abondamment été utilisé comme essence de reboisement à croissance rapide, en dépit du fait que ses boisements brûlent bien. Son prix est accessible. Sempervivant, il est aussi utilisé comme arbre d'ornement. Sixième section, deuxième sous-section, gemme. La résine de pin, gemme, et certaines espèces est exploitée essentiellement pour la production d'essence de térébenthine et de colophane. Sixième section, troisième sous-section, usages alimentaires. L'écorce et ou l'aubier des différents pins, pin sylvestre, pin d'Alep, étant parfois donné en nourriture au bétail. Gemme, la résine de pin, farine à récolter, peut être infusée. Elle entrait aussi dans la composition du claquin pour une liqueur populaire à la fin du 19e siècle. Le cambium, séché et broyé, il donne une farine panifiable servant à faire un pain d'écorce notamment consommé dans les familles scandinaves pauvres jusqu'au début du 20e siècle. Selon l'ethnobotaniste François Couplan,
en Europe du Nord et centrale, le cambium de pin sylvestre était ainsi récolté, séché, broyé et mangé, mélangé à des farines de céréales, avoine notamment, en pain ou galette ou bouillie. La recette la plus ancienne connue de pain suédois, datée de l'an 400 environ, en contenait. Et les Vikings mangeaient des galettes de farine de pois, pisum sativum, mélangées à du cambium de pin sylvestre. Jusqu'à récemment, en Laponie, le peuple Sami mangeait couramment le cambium des pins. Les Amérindiens mangeaient, eux, le cambium des pinus contorta, frais ou sec, et celui récolté sur les bas du tronc était réputé le meilleur. Les pousses peuvent être mangées, comme celles des autres conifères, alors souvent hachées dans des salades ou utilisées pour faire des sirops et des desserts. Mais leur saveur est plus fade que chez d'autres résineux. Dans les régions méditerranéennes et au Portugal, les pousses de pin parasol, Pinus pinea, étaient ainsi mangées, et elles faisaient partie des ingrédients des ratafia, liqueur à base de noix vertes. Celles du pin mugo, Pinus mugo, étaient récoltées dans les reliefs de l'Europe centrale, des Balkans, des Apennins ou au nord de l'Europe. Une recette consistait à les exposer au soleil dans un bocal durant 2 mois pour en faire, après filtration, un sirop sucrant pour les infusions et le lait chaud, réputé aussi soigner la toux. Les Polonais conservaient les pousses de Pinus sylvestris dans du sucre, également pour faire un sirop contre la toux et des refroidissements. Jusqu'au début des années 1900, les pousses de pin séchées et moules étaient parfois ajoutées à la farine de seigle, d'orge et de pois pour faire des pains. Les inflorescences. Les fleurs mâles sont comestibles, crues ou cuites. Riches en pollen, elles étaient appréciées pour leur goût agréable. Celles de Pinus pinea étaient mangées autour de la Méditerranée, alors que celles de Pinus zembra l'étaient dans les Alpes et les Carpates et en Asie. C'était un aliment courant en Pologne jusqu'à la fin des années 1800. Les parties femelles sont les cônes, ou pignes, qui, récoltées jeunes, ont servi à aromatiser des liqueurs, ou plus simplement, comme le faisaient les Savoyards, à aromatiser l'eau de boisson, en y laissant tremper des jeunes cônes de pin sylvestre, dits pauvres. Dans cette région, le chef cuisinier Marc Vera les utilise aussi encore comme espèce aromatique en cuisine. Les graines, notamment celles du pin parasol, dites pignons de pin, très nutritives et légèrement sucrées, sont comestibles. Elles ont été mangées, et le sont encore, presque partout où poussaient les pins dans les zones tempérées et froides de l'hémisphère nord. Elles ont même constitué le socle de l'alimentation de certaines ethnies amérindiennes des montagnes du sud-ouest des États-Unis et du nord du Mexique, ainsi que par certaines populations sibériennes qui en faisaient leur alimentation de base en hiver. Plus au sud, en zone méditerranéenne, Pinus pinea était localement cultivé pour les pignons. C'est le pin qui produit en Europe les plus grosses graines, jusqu'à 2 par 1 cm. Ces pignons étaient collectés au sol, où les écureuils, oiseaux carnivores et divers rongeurs les recherchent aussi activement, ou à partir de cônes récoltés juste avant maturité et ouverts par séchage au-dessus d'un feu. Les Tunisiens broyaient les graines de pin d'Alep et les déliaient dans le lait pour faire, après ajout de sucre, une crème liquide servie en dessert, notamment lors du Ramadan. Elles étaient si recherchées que localement, l'épinède ne parvenait plus à se régénérer. En Pologne, où le pin parasol est naturellement absent, jusqu'au début des années 1900, on récoltait les graines du pin zembra, légèrement plus petites, consommées, grillées ou utilisées comme source d'huile alimentaire. Les Turcs, Crétois ou Calabrais appréciaient, eux, les graines de Pinus brutia, et en Europe, des graines plus petites étaient récoltées sur Pinus heldreiki, Pinus leucodermis, Pinus nigra et Pinus pinaster. Actuellement, le plus souvent importé de Chine et récolté sur plusieurs essences de pin à grosses graines, les pignons sont principalement utilisés en pâtisserie et confiserie pour faire des pestos. Il est possible d'en extraire de l'huile comestible, comme on le faisait par exemple en Savoie. Ils peuvent aussi être simplement mangés crus ou grillés après retrait de leur enveloppe. Ils ont parfois un soupçon de goût de térébenthine et rancissent assez vite à l'air libre. Un centre anti-poison a suspecté en 2010 que la consommation de graines d'autres espèces pourrait provoquer une dysgeusie, perte de goût, retardée et provisoire.
Sixième section, quatrième sous-section, usages médicinaux. La gemme a des usages médicinaux. Le pain est réputé expectorant et vulnéraire en usage externe. La térébenthine a été utilisée comme antiseptique, simulant, expectorant et diaphorétique. Mais à forte dose ou chez les personnes qui y sont sensibles, elle affecte négativement le système rénal. Son essence, essence de térébenthine, est antiseptique, vermifuge et rubéfiante. Son huile essentielle, balsamique, antiseptique et riche en limonène, est aussi réputée éloigner les insectes. Du bois, on extrait aussi par distillation le goudron de Norvège, aux propriétés balsamiques et antiseptiques. Les bourgeons de pin, très résineux, ont aussi une utilisation médicinale, comme balsamique et diurétique, transformés notamment en sirop et pastilles. Septième section, aspect culturel. Première sous-section, au Japon. Dans le jeu des cartes traditionnelles japonais Hanafuda, des branches de pin sont représentées sur la série des 4 cartes du mois de janvier. Septième section, deuxième sous-section, toponyme évoquant le pin. La boule les pins, la braille les pins, brette les pins, puge les pins, jouant les pins, kerfani les pins, nance les pins, le pin wara, pressigny les pins, camplage les pins, roquefort les pins, Saint-Brévin les pins, Saint-Jacques les pins, Saint-Jean du pin, saucé les pins, toré les pins, la tour du pin. Huitième section, systématique. Première sous-section, place au sein de la famille des Pinacées. Le statut de genre monophylétique des pins n'est pas contesté. Il diffère clairement des autres genres du groupe. On connaît depuis longtemps leur spécificité morphologique, le nombre de leurs cotylédons, le groupement de leurs aiguilles en fascicules de 2 à 5, leur monoécie, la position de leurs graines par rapport aux écailles. Des études génétiques ont confirmé cette position. Huitième section, deuxième sous-section, classification interne. On sépare généralement le genre Pinus en 2 grands sous-groupes, les pins à bois dur, diploxylon, et les pins à bois souple, haploxylon. Les diploxylones ont leurs aiguilles fasciculées par 2, 3 ou 5 et les fascicules vasculaires de leurs aiguilles sont pérées, tandis que les haploxylones ont des aiguilles toujours fasciculées par 5 et que leurs fascicules vasculaires sont solitaires. Leurs cônes sont en général plus allongés et moins durs. Au niveau taxonomique, les deux groupes sont considérés comme des sous-genres. Les pins à bois dur sont regroupés dans le sous-genre Pinus et ceux à bois doux dans le sous-genre Strobus. Pinus crempfi a été un temps considéré comme ne faisant partie d'aucun des deux groupes, sur base de ses feuilles très différentes des aiguilles des autres pins. Il a alors été classifié tout seul dans le sous-genre Ducampopinus. Cependant, les études les plus récentes basées sur des analyses moléculaires considèrent que cette différence ne reflète pas un éloignement évolutif réel et que le Pinus crempfi doit être intégré au sous-genre Strobus. Au sein d'une même espèce, on peut parfois observer des différences d'anatomie et d'écologie. Certaines de ces différences sont simplement le résultat d'adaptations locales, d'autres sont issues d'une différenciation datant du Pléistocène. En effet, la glaciation, à cette époque, contraint les différentes espèces des pins, et d'arbres en général, à se réfugier dans les parties zones séparées les unes des autres, qui seules offraient encore des conditions viables pour la végétation forestière. Neuvième section, annexe. Liste des pins par ordre alphabétique des noms scientifiques selon Aelius Farion. Pinus amamiana, Pinus albicaulis, Pinus aristata, Pinus arizonica, Pinus armandii, Pinus attenuata, Pinus attenuradiata, Pinus ayakawite, Pinus palfuriana, Pinus banksiana, Pinus botanica, Pinus brutia, Pinus bunkenea, Pinus californiarum, Pinus canariensis, Pinus caribea, Pinus sembra, Pinus sembroides, Pinus clausa, Pinus contorta, Pinus culteri, Pinus cubensis, Pinus culminicola,
Pinus dalatensis, Pinus densata, Pinus densiflora, Pinus devoniana, Pinus discolor, Pinus douglasiana, Pinus duragensis, Pinus echinata, Pinus edulis, Pinus edioti, Pinus englemani, Pinus fenceliana, Pinus flexilis, Pinus gerardiana, Pinus glabra, Pinus gregii, Pinus halepensis, Pinus hartwegii, Pinus vagantsensensis, Pinus heldreiki, Pinus henrii, Pinus hererae, Pinus jaliscana, Pinus jeffreyi, Pinus caesia, Pinus cremfii, Pinus curianensis, Pinus lambertiana, Pinus lateri, Pinus lafsoni, Pinus leophila, Pinus longaeva, Pinus lucunensis, Pinus lumholzii, Pinus lusmariae, Pinus masoniana, Pinus maximartinesi, Pinus maximinui, Pinus mercusi, Pinus monophila, Pinus montezume, Pinus monticola, Pinus morisinocola, Pinus mugo, Pinus muricata, Pinus murai banksiana, Pinus nelsoni, Pinus nigra, Pinus occidentalis, Pinus ocarpa, Pinus palustris, Pinus parviflora, Pinus patula, Pinus pinaster, Pinus pinceana, Pinus pinea, Pinus ponderosa, Pinus pretermissa, Pinus pringlei, Pinus poesoidotrobus, Pinus poece, Pinus pungens, Pinus occidentalis, Pinus quadrifolia, Pinus radiata, Pinus remota, Pinus resinosa, Pinus rigida, Pinus rigitaeda, Pinus roxeburghi, Pinus redovski, Pinus sabiniana, Pinus zerotina, Pinus sibirica, Pinus sondereggeri, Pinus squamata, Pinus strobiformis, Pinus strobus, Pinus silvestris, Pinus tabuliformis, Pinus taeda, Pinus taiwanensis, Pinus tecumanii, Pinus teocote, Pinus thunbergania, Pinus thunbergi, Pinus torreyana, Pinus tropicalis, Pinus unicinata, Pinus virginiana, Pinus junaensis, Pinus valichiana, Pinus vangii, Pinus vasonensis. Taxobox pour le genre Pinus. Une image d'un Pinus pinea peint parasol illustre cette taxobox. Classification selon Tropicos. Règne, Plantae. Embranchement, Pinophyta. Classe, Pinopsida. Sous-classe, Pinidae. Ordre, Pinales. Famille, Pinaceae. Sous-famille, Pinoidae. Genre, Pinus, selon Linné, 1753. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU, disponible à l'adresse http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html.